Nous partons en Charente-Maritime, une région très appréciée pour les immenses plages de son littoral. Au cours de cette escapade, nous découvrirons notamment les secrets du port fortifié de La Rochelle. Puis, nous vous emmènerons visiter l'île de Ré, ses villages de pierre blanche et ses superbes marais salants. Nous nous promènerons ensuite dans les ruelles d'une minuscule ville close médiévale posée sur l'estuaire de la Gironde, Talmont-sur-Gironde. C'est en compagnie d'authentiques Charentais, fiers de leur patrimoine, que nous allons découvrir cette région. C'est avec La Rochelle et son vieux port que nous débutons notre périple. Tout le monde connaît les imposantes tours du port de La Rochelle, derrière lesquelles les protestants ont trouvé refuge au XVIIe siècle. C'est avec Jean-Luc, ancien directeur de l'Office de tourisme, que nous débutons notre visite. Il a rendez-vous avec Jean-Loup Bauduin au pied de la Tour de la Lanterne, l'une des plus mystérieuses de la ville. Alors cette Tour de la Lanterne, évidemment, tout le monde la connaît à La Rochelle et je la connais bien. Mais tu m'as dit l'autre jour qu'il y avait des choses que je n'avais sans doute jamais vues. Je suis curieux et impatient de les voir. Eh bien, donc on y va ? On y va. On y va. La Lanterne fait office de phare jusqu'au XVe siècle, avant d'être reconvertie en prison pendant les guerres de religion. Ce sont plus de 600 graffitis qui ont été gravés sur ses murs par des prisonniers espagnols, hollandais et irlandais. Ici, le graffiti des quatre sergents. Dans ce sombre cachot, trace d'une cause célèbre, furent enfermés quatre carbonari, amateurs de la liberté. Ces quatre personnes ont conspiré contre Louis XVIII au XIXe siècle. La société secrète dont ils se revendiquaient, les Carbonaris, projetait de réaliser un coup d'État. Les graffitis que l'on trouve en plus grand nombre ont été faits par des marins anglais capturés au XVIIIe siècle. William Fretty, canonnier sur le corsaire Lively, il n'a pas eu de bol parce qu'il a voulu s'évader. On lui a tiré dessus et il a été abattu. Alors que vraiment peu de temps après, et je pense que c'est peut-être même pas un mois après, il y a eu 50 évasions réussies. Voilà, lui. Une fois les graffitis déchiffrés, montez jusqu'au sommet de la tour qui culmine à 21 mètres. La vue y est fantastique. À quelques mètres de la lanterne se trouvent les deux autres tours du vieux port. Dans l'une d'elles, la tour Saint-Nicolas, avait lieu d'étonnants rituels. Pour rentrer dans le temple, on va d'abord se mettre en disposition pour pouvoir rentrer. Alors, le premier graffiti, et c'est celui-ci. Tu as trois cercles qui sont tracés au compas et sur lesquels tu mets un doigt sur chacun des cercles. Pourquoi cette inscription est-elle si basse ? C'est parce que toute initiation, ça sert à t'élever. Si tu pars de trop haut, ce sera difficile à t'élever. Donc, il faut bien que tu partes du bas. Au XVIIe siècle, ces pratiques sont totalement interdites. Et c'est en secret que les compagnons, des charpentiers et des tailleurs de pierre pour l'essentiel, se réunissent ici, après avoir effectué ce parcours initiatique. On pénètre maintenant dans la tour, dans la salle principale, où tous les compagnons vont être là pour t'accueillir. Et on va te guider jusqu'au dernier graffiti, le septième. Le septième. Et le septième représente quoi ? Eh bien, une étoile, c'est l'étoile du matin. L'étoile du matin, c'est celle qui te guide aussi bien, elle est là, regarde bien. C'est celle qui te guide aussi bien la nuit que le jour, celle qui fait la jonction entre les ténèbres et le jour. Ces compagnons seraient les précurseurs de notre système de protection sociale. Les compagnons fonctionnaient dans une sorte de mutuelle, c'est-à-dire que si tu avais un problème de santé, d'une part, ils payaient le médecin, et si jamais tu laissais ta famille orpheline, bien, ils prenaient en charge et les frais d'obsèques et éventuellement les besoins de la famille. Eh bien maintenant, nous partons à la rencontre de Patrick, qui connaît comme personne l'histoire des trois bassins de La Rochelle. Lorsque La Rochelle était encore un port de commerce important, les bateaux devaient d'abord passer les tours de garde qui faisaient office de barrière de péage avant de se répartir dans l'un des trois bassins.
le vieux port, le port d'Aliénor, le port historique, celui grâce à qui la cité va se développer. Patrick et Jean-Luc pénètrent maintenant dans le bassin des grands yachts. La navigation de plaisance et les régates ont fait de La Rochelle un lieu de rendez-vous privilégié des plus grands navigateurs depuis plus d'un siècle. Là, on rentre dans le domaine où nous accueillons les yachts classiques. Alors, on a ici quelques très, très beaux éléments qui sont des bateaux qui sont donc accueillis au musée en raison de leur qualité patrimoniale et qui, pour stationner au musée, doivent être en très bon état d'entretien. Alors ça, c'est des bateaux qui ont marqué l'histoire. Là, on a Christina en face, ben, il a fait les grandes courses du Fastnet, les grandes courses du Rorke, le Viola, qui est une petite merveille, construite en 1908 par l'architecte, d'ailleurs, du célèbre Pendwick. À seulement quelques kilomètres de là, se trouve un décor radicalement différent, le Marais Poitevin. Ce poumon naturel de la région s'étend sur 100 000 hectares. Alors Jean, comment va ? Un joyau que Jean-Luc va découvrir en compagnie de son ami Jean Le Seine. Me mets là ? C'est à bord d'une plate, une barque traditionnelle à fond plat, que les deux hommes vont explorer cet immense labyrinthe végétal. Cette région est connue surtout sous le nom de Venise verte. Alors Venise verte, Venise, les canaux et les kilomètres de voies navigables. Verte, alors verte les frondaisons, mais verte les lentilles qui forment des véritables tapis végétales à la surface de l'eau. Ce sont les moines qui comprennent les premiers qu'ils peuvent tirer parti de ces richesses naturelles en creusant ces canaux, utilisés comme route fluviale jusqu'au siècle dernier. Les agriculteurs les empruntaient d'ailleurs pour se rendre dans leurs champs. Quand j'embarquais mon tracteur sur le port pour aller dans certains terrains, il me fallait 2h30. Et Concorde avait fait le trajet Paris-New York. Alors attends, t'embarquais ton tracteur sur des plates comme sur ça ? Sur les plates, ah, oui. Des grosses plates, évidemment. Bah, c'était les plates qui servaient à embarquer les vaches, les chevaux, ah, le foin. Ah. Quelles étaient les cultures Alors, les cultures, jusque dans les années 1960, 70, même 80, je dirais. Hein, la principale culture était la culture de Mogette. Alors la Mogette, c'est le... Le haricot blanc. Voilà. Voilà. Il y a encore, rassure-moi, des champs de Mogette ? Non. Oh. Non. Oh, mais t'aurais dû me préparer à cette annonce. Dans ce décor étonnant, se produit depuis toujours un phénomène naturel qui effraya longtemps les habitants du Marais. La nuit venue, quand les ténèbres recouvrent ce marais, il y a des manifestations étranges, il y a des feux follets, il y a des lueurs qui se promènent là. C'est des esprits, c'est oui. Des revenants. Des revenants, appelons-le comme on voudra. Hein? Bon, c'est pas si exigeant que ça. C'est ni plus ni moins que le méthane, la décomposition des végétaux qui sont dans ce fond, qui forment du méthane, et c'est le méthane qui brûle en surface lorsqu'on l'allume. Allez, tu me fais des bulles ? Ah, ben je pensais pas que ça faisait autant de flammes. Ça m'étonne pas que ça ait effrayé les villageois. Pour la deuxième étape de cette excursion en Charente-Maritime, partons maintenant sur l'île de Ré. Considérée à juste titre comme l'une des plus belles pépites du littoral français, on la surnomme Ré la Blanche pour ses maisons aux façades immaculées. C'est un authentique rétais, Daniel, un des plus grands chefs locaux, qui nous guidera tout au long de notre périple. J'ai cru fleur de sel et puis roulé dans la cendre après fabrication. Fleur de sel de l'île de Ré. Oui, bien sûr. Ouais. Je repasse, ça m'intéresse. Tout à l'heure. C'est dans l'emblématique village d'Ars-en-Ré, avec son fameux clocher, que Daniel souhaite débuter la visite. Il a rendez-vous avec un jeune guide, Julien Hamelin. Salut Daniel. Bonjour Julien. Ça va ? Ah, super. Alors Daniel, toi qui es d'ici, tu sais pourquoi... Bien vu, si. Ouais, t'as vu, hein ? Ouais.
Tu sais pourquoi il est noir et blanc, le clocher Ah, tout à fait. C'est un amer pour les bateaux. C'est un repère pour les bateaux, naturellement, en mer. Et qui savait que le clocher d'Arc, c'était donc à cette extrême pointe nord de l'île de Ré. Mais je sais pas si tu sais, mais c'était pas le seul clocher de l'île. Pas tout à fait, non. À être peint, voilà, en noir et blanc. Il y avait aussi le clocher de Sainte-Marie, les petits clochetons à Saint-Martin, la façade de l'abbaye des Châteliers à la Flotte. Et c'est le service des phares et balises qui s'occupe de l'entretien des bouées, des phares, des amers, qui avait décidé de peindre les clochers de l'île, qui servaient déjà d'amers sans être peints, mais de les peindre en noir et blanc pour les rendre plus voyants, en fait. Ça a duré un siècle, hein, jusqu'en 1953-54, jusqu'à l'arrivée en fait, des moyens de communication modernes, hein, les radios, les radars. Et le service des phares et balises a décidé d'arrêter de peindre les amers de l'île de Ré en noir et blanc. Et donc tout simplement, c'est les habitants d'Ars, hein, qui ont décidé de repeindre leur clocher quand il a perdu ses couleurs. Ils ont organisé des kermesses pour récolter des fonds. Et ça sert toujours de point de repère. D'ailleurs, on a beaucoup de touristes, hein, qui nous le disent et qui disent, même en vélo, ça nous sert. Dès qu'on voit au loin, on sait qu'on arrive à Ars. Voilà, voilà. On sait qu'on arrive à Ars. Le village d'Ars en Ré est entouré d'immenses marais salants. Un décor naturel a coupé le souffle. Le sel était autrefois l'or blanc de l'île. C'est grâce à lui qu'elle prend son essor dès le 15e siècle. Son exploitation atteint jusqu'à 30 000 tonnes par an à son apogée. Aujourd'hui encore, les marais salants représentent près de 20% du territoire de l'île. En vous y promenant, vous rencontrerez peut-être Loïc Picard, un ami de Daniel. Dans sa famille, on est saunié de père en fils depuis plusieurs générations. Salut Daniel. Bonjour Loïc. Ça va? Bon, la récolte est bonne? Ouais, ça va. Bon. La saison se termine là. Ah, il y a des beaux cristaux là, dis donc. Ouais, hein, ah, c'est joli. C'est, ah ouais, c'est beau c'est là. Vraiment des cristaux qui sont bien, oui, formés en fin de saison. Ils mettent, oui, du temps à se former et c'est des vrais petits cubes. En fait, l'eau douce s'évapore et le sel n'a plus de place dans l'eau et donc il n'a pas d'autre choix de cristalliser. Par contre, la fleur de sel qui cristallise à la surface de l'eau, elle a besoin de soleil, de vent, mais surtout pas d'humidité. Elle fige comme de la glace sur... Les grains vont cristalliser à la surface et vont flotter à la surface. C'est pour ça qu'on on appelle ça la fleur. Là. Bah, la fleur, c'est... À fleur d'eau. Parce que c'est à fleur d'eau et parce, oui, que c'est fin. Avec le simoussi, je vais aborner, c'est-à-dire que je vais faire un tas dans l'eau, de façon que le sel s'égoutte une première fois dans le bassin. Je comprends que t'as mal au bras en fin de soirée. Hein. Il a déjà égoutté un petit peu, là. Oui, mais il n'est pas assez à goûter. On va le laisser une demi-journée, voire une journée, de façon qu'il soit sec, pour ne pas avoir un sel humide et lourd à transporter. Et puis, peut-être que le fait d'être égoutté... il reprend sa couleur naturelle, parce que là, il est un petit peu rose. Bah, il va blanchir en séchant, peut-être, non? En fait, dans l'eau, il y a une petite algue qui est présente et qui lui donne cette petite teinte rose. Ah, oui. Et lorsque le sel va sécher, cette petite algue va disparaître. Et c'est cette petite algue, oui, qui est présente dans les eaux salines qui apporte la couleur rose au flamant rose. Ah, oui. Mais alors, ici, on n'a pas de flamant rose, on a des cuisinier en rose qui récolte du sel. Ah, je t'en remercie. Une autre des spécialités de l'île est bien entendu l'huître de Ré. Il existe de très nombreuses petites cabanes où déguster ce coquillage. Salut Daniel. Salut Franck. Ça va? Daniel apprécie particulièrement celle de son ami Franck Moreau, ostréiculteur près de Trousse-Chemise. Je vais te faire goûter ça, tu vas voir. Ouais. Là, je t'ai mis de la 2 et puis... Ah, c'est beau ça. Celle-ci, elle est belle, ouais. Ah, ça, regarde. Ouais. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est très creuse. Puis tu vois, elle est bien grasse. Voilà. Pas laiteuse, contrairement à ce regarde, que peuvent... Regarde, bah, c'est encore vivant, tu vois. Ah, c'est vivant, ouais. Ouais. On dit qu'une huître, ça stresse, c'est vrai? Ah bah, si elle n'est pas dans les conditions optimum d'élevage, ouais, elle va stresser, ça va se caractériser, ouais. Tu sais, elle va moins pousser, elle va devenir boudeuse, qu'on appelle les huîtres boudeuses. Daniel accompagne ensuite Franck sur son exploitation. Aujourd'hui, jour de grande marée, les parcs à huîtres sont à découvert. Puis là, tu vois, on va aider les gars parce qu'on a quelques poches à tourner. Oui. Et ça consiste à quoi de lever les poches alors? Bah, tu vois, regarde, en fait, là, on les tourne. Oui. Parce qu'en fait, là, elles sont sales sur le haut. Oui. Et tu vois, ça colmate un petit peu les mailles. Ça manque d'air, ça étouffe. Non, c'est pas que ça manque d'air, c'est que le courant, il passe moins bien. Ah, et oui. Comme en fait, c'est le courant qui amène la bouffe à l'huître, oui. Si t'as moins de courant dans les poches, t'as moins de bouffe qui arrive dans les poches.
Exposées à la houle, qui renforce leurs coquilles, les huîtres se développent dans le parc pendant 3 à 4 ans. Mais les ostréiculteurs ne disposent que de très peu de temps entre chaque grande marée pour prendre soin d'elles. Et regarde, tu vois ça? Ça, c'est une plaie pour l'ostréiculture, ça. Ça, c'est des bigorneaux perceurs. C'est une trompe, là. Ça sort une trompe par cette espèce de conduit, là. Oui. Et ça perce la coquille d'huître. Oula. Et une fois que ça a percé la coquille d'huître, ça te bouffe le coquillage qui est à l'intérieur, quoi. Et après, hop, la coquille reste ouverte. La coquille s'ouvre, mais il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus rien dedans. Lui, il a tout bouffé. Daniel, à plus. Hein? Merci encore. On va faire bon usage de tes huîtres. Nous quittons désormais l'île de Ré pour la troisième étape de ce voyage en Charente-Maritime. Direction le sud du département pour découvrir un minuscule village hors du temps. Talmont-sur-Gironde est certainement le plus beau village de Charente-Maritime. Cette fois, c'est avec un Charentais d'adoption, Jean-Jacques, que nous allons découvrir Talmont. Il y retrouve Gaëlle Lucaso, une jeune guide passionnée par ce village. Ça boum ? Eh oui. Alors, je t'ai donné rendez-vous ici. À ton avis, pourquoi ? Ben, parce que nous sommes rue Édouard Ier, voilà. Roi d'Angleterre. Tout à fait. Le fondateur de la cité fortifiée. Édouard Ier, en arrivant sur ce site, a eu un véritable coup de foudre. Coup de foudre, d'accord, mais pas simplement sentimental. Je crois quand même que... Il avait compris l'intérêt stratégique de cet endroit qui est une véritable vigie sur l'estuaire. Bien sûr. Juste à gauche, là, un petit trésor de Talmont que peu de touristes voient puisqu'il est assez bien caché. C'est un puits monolithe. Il a une particularité encore, ce puits, c'est que c'est un puits partagé. Partagé entre deux espaces. Donc on pouvait y accéder des deux côtés, c'est-à-dire par la Venelle. Et le propriétaire du terrain pouvait accéder exactement. Par son mur. Exactement. Alors, ce que je sais avec ces puits, lorsque la margelle avait été usagée par les sceaux, ils inversaient la margelle et c'était reparti pour 100 ans voilà. De plus. Du développement durable. Absolument, l'heure. Absolument. Superbe. Gaëlle et Jean-Jacques descendent maintenant vers le petit port du village, autrefois réputé pour sa pêche à l'esturgeon. C'est presque par hasard, après le passage d'une princesse russe, que l'exploitation du caviar devient la principale activité commerciale de la région. Tu connais la petite histoire de la princesse ? Mais j'en ai entendu parler, effectivement, une princesse russe, c'est ça ? Cette princesse russe qui fuyait la révolution de l'époque, 1917, elle s'est aperçue que lorsque les pêcheurs revenaient de la pêche à l'esturgeon, oui. Eh bien, ils éventraient les femelles, prenaient les œufs et les donnaient à manger aux poules et aux canards. Sacrilège. C'est ce qu'elle a dû penser très fort et ce qu'elle a dû dire. Et elle leur dit, arrêtez. Oui. À un moment donné, elle dit, c'est pas possible. Dans mon pays, ces œufs, on les prépare. Elle leur explique que ça fait un mets délicieux et le nom de caviar est divulgué. Les pêcheurs locaux apprennent alors à tirer le caviar de l'esturgeon grâce à un spécialiste envoyé par la princesse. L'exploitation du caviar prend fin en 1982 lorsque l'esturgeon est classé parmi les espèces protégées. Point d'orgue de la visite de Talmont-sur-Gironde, l'église Sainte-Radegonde, édifiée au XIIe siècle. La princesse Radegonde fonde le premier monastère de femmes en Aquitaine. La tradition lui attribue de nombreux miracles. C'est pourquoi les marins la priaient en mer dans l'espoir de revenir sain et sauf. On rentre dans le cimetière marin par excellence, hein, puisqu'on est sur un espace maritime. Et la particularité du cimetière de Talmont, c'est qu'il a une partie qui est consacrée aux protestants, toute la partie de gauche, et puis toute cette partie-là est consacrée aux catholiques. Et puis tu sais aussi peut-être que les protestants ont été autorisés à être enterrés dans les cimetières qu'à partir de 1850. Donc c'est assez récent. C'est assez récent. Ouais. Et j'ai des remarques très souvent de visiteurs qui me disent que le cimetière est laissé à l'état sauvage, n'est pas entretenu. Mais en fait, c'est une volonté de laisser les plantes, notamment les fameuses passeroses, les roses trémières, pousser librement. Je trouve que ce cimetière a quelque chose, sans vouloir choquer, de vivant. Regarde Jean-Jacques, tu sais ce que c'est ça ? Je sais pas, on a l'impression que c'est un morceau de quelqu'un, mais il a une drôle de forme. Eh bien c'est un os.
Non. Oui, oui, c'est un os provenant d'un squelette humain, forcément, puisque le cimetière faisait le tour de l'église à l'origine. Comme tous les cimetières, d'ailleurs, de campagne, hein, on enterrait les gens autour de l'église, plus près de la maison de Dieu. C'était tout à fait logique à l'époque. C'est étonnant. C'est dû au sol calcaire, hein, qui, ah oui. Qui fait que ça remonte, en fait, dû à la sécheresse aussi. C'est assez émouvant. Le tympan de l'église Sainte-Radegonde, richement sculpté, présente de multiples allégories datées du XIIe siècle. C'est la lutte du bien contre le mal, voilà, c'est ça? Voilà, ce qu'on appelle la psychomachie, la lutte entre le bien et le mal. Le mal étant représenté par les animaux féroces qu'on peut voir ici, les dragons, gueules béantes. Il y a tout un message complet sur la condition de l'homme sur Terre. Donc ce combat entre le mal et le bien. On a l'impression que les hommes se portent les uns les autres. Voilà, on a une différence de couleur entre la pierre qui est un peu jaune et la pierre qui est complètement rongée par le sel. On voit bien les restaurations dans les années 1950 à peu près. Suite de la balade, Jean-Jacques va rendre visite à Odette Fouquet, propriétaire de l'une de ces fameuses cabanes sur pilotis sur lesquelles on pratique la pêche au carrelet. Vous avez essayé, vous avez déjà mis le filet? Oui, juste, juste. Hey, il est bien équilibré, hein. Par contre, et on sent le courant. Hein. C'est le plus gros problème. Ah oui, on sent équilibrer le courant. Équilibrer le contrepoids et ça. Ah oui, c'est sûr. Alors Odette, j'ai pris quelque chose? Il n'y a rien, vous pouvez descendre. Il n'y a rien du tout? Rien, que du vent. Déjà, prendre du vent, c'est déjà pas mal. Ouais, et de la salade. Ça, la salade, c'est des algues. Ouais. Cette pêche-là, elle remonte à quand, cette pêche c'est au carrelet là. C'est pas si vieux que ça, hein, 1800 et quelques, c'est pas vieux. Avant, c'était les dames qui allaient à la pêche. Les femmes de marins? Les femmes, ils étaient agriculteurs, il n'y avait pas de cabane, il n'y avait que la passerelle. Les femmes venaient pêcher pendant que les messieurs étaient dans les champs à travailler. C'est la femme qui venait pêcher. D'accord. Mais c'est pas si vieux que ça. Hein. Et est-ce qu'ils arrivaient à en vivre? Avant, ils avaient beaucoup plus de poissons qu'à l'heure actuelle. Mais bon, ça c'est général, c'est pour tout le monde. Et d'ici, on se croirait dans le poste de pilotage d'un bateau. Bateau. Hein, on est vraiment... Mais on est à l'abri, effectivement. Il n'y a pas de roulis. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de roulis, contrairement à du bateau. Mais il y a le mouvement de la mer, le côté un peu tempétueux de l'estuaire, et ce calme, cette sérénité qu'on a. Ça a encore changé de couleur depuis tout à l'heure. Ah oui, c'est super. C'est les couleurs que j'aime. La mer, ce cuivre. Ah ouais, c'est chouette. C'est super. C'est joli. Ah, c'est super. Pour terminer ce voyage en Charente-Maritime, Jean-Jacques nous conduit de l'autre côté de la baie, chez son ami Henri Carton, qui habite une étonnante maison troglodytique le long des falaises de Méché. On peut jeter un œil à l'intérieur? Bien sûr. Bien c'est sûr. Sympa, merci. Et voilà, Jean-Jacques. Eh bien, écoute, on a fait quelques travaux, je suppose. Voilà, tout à fait. Parce que tu vois, le plafond était à peu près à cette heure-ci. Donc, je ne vais pas me casser la tête. Alors, donc, on a reburiné le plafond. Disons, c'est étonnant parce que c'est ce qu'on appelle du calcaire maastrichtien. C'est un calcaire qui a plus de 65 millions d'années, ça. C'est quand même assez émouvant, non? Ouais. C'est étonnant. Mais hein, je peux te dire que ce calcaire, il y est dur aussi. Hein, parce que pour faire le placard et les trous, eh bien... Ah, c'est toi qui as fait ça? C'est moi qui ai fait ça, oui. Ces cavités creusées dans la roche sont occupées depuis l'époque gallo-romaine. Naufragés, brigands, pilleurs d'épaves ou familles persécutées, tous s'en servaient comme refuge. Tiens, mais dis donc, c'est étonnant cette excavation-là. On a l'impression que c'est un bénitier. Mais écoute, ça réconforte tout à fait ce que je pensais, parce que c'était des lieux de refuge pour les protestants. Enfin, ça aurait à voir avec la révocation de l'édit de Nantes, avec les protestants pourchassés, massacrés, qui se réfugient voilà, dans les grottes. J'ai lu ça. Et il paraît qu'il y avait pas mal de protestants qui s'étaient réfugiés là. Ici, oui. Et alors, ils auraient donc continué à pratiquer leur culte et... Ah, c'est assez émouvant quand même. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai. Ça s'est dit, ça s'est toujours dit, ça, hein, que les protestants venaient se réfugier dans les grottes. Ah, c'est très étonnant. Oh, quel point de vue, c'est superbe. Vraiment, entre ciel et mer, hein, c'est magnifique.
Grâce à cette balade en terre charentaise, vous savez désormais que cette région recèle des trésors historiques, architecturaux et sauvages. Autant de lieux qu'il vous faut absolument voir dans votre vie.